Salut à tous, bienvenue sur Mistral TV, bienvenue au stade Georges Pompidou pour cette rencontre de rugby cet après-midi entre deux mal classés. Gilbert, le Roc qui reçoit l'AS Mâcon, un match très très compliqué pour les deux équipes cet après-midi. Oui, bonjour à tous, effectivement, le Roc 9e qui reçoit Mâcon 8e, avec seulement 3 petits points d'écart entre les deux équipes, donc il faut impérativement qu'aujourd'hui le Roc ait une victoire au compteur de plus, surtout essayer de laisser cette équipe de Mâcon à 0 points. Et l'idéal serait de prendre le bonus offensif. Mais on sait que cette équipe de Mâcon joue très bien au rugby, puisqu'elle a mis en difficulté sur les 3 dernières journées des équipes bien mieux classées. Donc ça ne va pas être une partie de plaisir pour le Roc, mais je suis confiant avec le joueur et le staff qu'ils aient mis en place tout ce qu'il faut pour justement obtenir une victoire. Ensuite, cette équipe de Romans, nos amis romanais, qui se déplacent chez les Alsaciens de Strasbourg. Donc on sait que Strasbourg est une équipe qui devrait, normalement, aurait dû être en haut du tableau puisqu'on a pu voir les performances qu'ils ont réussi à faire dans cette poule. Et Romain qui se cherche encore dans leur rugby, donc j'espère qu'ils vont ramener au moins un bonus défensif, voire une victoire de Strasbourg. Et après, la dernière équipe du comité d'Ormardèche, cette équipe albenacienne, nos amis ardéchois qui se déplacent à Vienne, le dernier de poule. Il y a eu quelque chose à faire pour Aubenas, mais que c'est difficile pour eux aujourd'hui depuis qu'ils ont perdu leur capitaine Taverna qui s'est blessé contre Romain. Ils ont perdu un peu leur rugby, de leur fraîcheur, et j'espère qu'aujourd'hui, ils vont remettre la barre en avant pour obtenir une belle victoire à Vienne. Oui, une victoire qui serait synonyme de place qualificative, hein, on le sait. Voilà, en tous les cas, c'est ce match, on vous le présente, on vous le propose sur Mistral TV cet après-midi. On vous souhaite d'ores et déjà une bonne après-midi ou une bonne soirée sur Mistral TV. Et on se retrouve dans quelques instants pour les commentaires de Gilbert et de moi-même. A tout de suite, merci. A tout de suite. Noir, rouge, ok, très bien. La première chose, pour moi, sur le terrain, aucun joueur ne doit en parler, d'accord? Aucun. Bien sûr, si vous avez une question et qu'à ce moment-là, je veux me rendre disponible, il n'y aura pas de souci. Mais par contre, aucun joueur ne doit en parler, d'accord? Ensuite, c'est très important, je vais venir dans mon vestiaire, ça ne va pas durer très longtemps, mais ce que je veux, c'est que vos joueurs soient concentrés et bien disponibles à ce que je vais leur dire, d'accord? Très important pour moi, ok? Est-ce que vous avez des questions? On les pose maintenant. Quand je serai dans vos vestiaires séparés, je ne répondrai plus après. Très bien. Non, pas de questions? Ok. Allez-y, choisissez côté rayé ou côté plein. Rayé. Faites tourner la pièce. Ce sera côté plein, vous choisirez? On prendra le terrain. Le terrain? On envoie, ok, vous préparez ça. Et le terrain, vous me le dites en rentrant de l'échauffement? Pas de soucis. Je puisse informer le club avant. Pas de soucis. Ça vous va? Pas de soucis. Ok, très bien. Allez, je viens vers vous en premier, pardon. Et après, je viens vers vous. Bon match, tout à la nuit. Bon match, messieurs. Bon match. Bon match. Bon match. Allez, on y va, on vous suit, capitaine. Mesdames, messieurs, bienvenue sur Mistral TV, bienvenue au stade Georges Pompidou pour cette rencontre de rugby entre le Roc et Mâcon cet après-midi avec, comme l'expliquait Gilbert, l'enjeu est extrêmement important parce que la difficulté en est toute capitale puisque la défaite pour l'une ou l'autre des équipes est interdite. Donc c'est assez palpitant comme rencontre, Gilbert, et on va voir un petit peu quel va être le comportement de ces deux équipes sur ces 15 premières minutes de cette première mi-temps déjà. Hein. Oui, bonjour à tous. Effectivement, ça va être très compliqué pour les deux équipes puisqu'elles ont, dans le jargon, comme on dit, la tête sur le bio. Hein. L'équipe qui va perdre risque de mettre un pied. Alors pour Mâcon, ils mettront un premier pied en Fédéral 2, vraisemblablement. Mais pour le Roc, c'est vraiment primordial puisque ça voudrait dire qu'ils resteraient 9e. Et je ne vois pas comment, avec le calendrier qu'ils ont derrière, ils pourraient remonter la pente face à cette équipe de Mâcon au score. Voilà, donc match capital encore une fois cet après-midi avec les joueurs qui vont rentrer dans quelques instants. On va, si tu veux bien, faire la présentation des deux équipes et on va commencer par Mâcon, Gilbert. Donc avec en numéro 1, Jamais, numéro 2, Campergue, numéro 3, Toc, numéro 4, Dufour, numéro 5, Charlon, numéro 6, Novicki, numéro 7, Aguilar, numéro 8, Van Vick, numéro 9, Campedia, numéro 10, Foury. Numéro 11, Brunel. Numéro 12, Saïd Omar. Numéro 13, Mathurio. Et numéro 14, Santalier, pardon. Et le numéro 15, Caché. Voilà, je te laisse la présentation du Roc. Donc c'est une équipe à peu près traditionnelle, puisque le numéro 1, Guabou. Numéro 2, Asensi. Numéro 3, Croza. Numéro 4, Michel. Numéro 5, Passaportis. Numéro 6, Manoa. Numéro 7, Nouyé Lagué. Numéro 8, Tiatia. Numéro 9, et capitaine, Canberra Véro.
numéro 10 Bar, numéro 11 Onutu, numéro 12 Labi, numéro 13 Tuilébuca, numéro 14 No, numéro 15 La Fontaine. Les arbitres de la rencontre, l'arbitre de champ sera monsieur Jérémy Rosier du comité d'Auvergne. Il sera assisté à la touche de messieurs Julien Andréani et Patrice Esposito du comité de Côte d'Azur, et le représentant de la Fédération française de rugby est monsieur Éric Travers du comité des Alpes. Voilà, alors nous allons avoir un coup d'envoi fictif qui va être donné par Nicolas D'Aragon, il me semble, et si mes renseignements sont bons, Gilbert. Donc un coup d'envoi qui va être donné dans quelques minutes maintenant, avant le coup d'envoi officiel. Oui, c'est monsieur le maire de Valence, Nicolas D'Aragon, qui va donner ce coup d'envoi. Il sera accompagné des présidents du ROC, Jean-Luc Averrous et Jean-Pierre Cheval, au centre du terrain. Voilà. Donc une belle après-midi, hein, presque printanière, on va dire, on va pas dire presque, hein, on va dire printanière, un très très beau soleil, une bonne pelouse, hein, pas trop grasse, voilà, avec un vent qui est quasi nul. Donc on devrait assister, Gilbert, cet après-midi à une bonne partie de rugby. Oui, effectivement, vraiment un temps printanier puisqu'il fait très chaud sur la pelouse du stade Pompidou. Donc les joueurs, ça va être difficile pour les joueurs puisqu'il fait très chaud. Et je crois qu'ils sont... Enfin, on est dans une période où ils ne sont pas habitués à autant de chaleur. Et voilà un coup d'envoi superbement donné par Nicolas D'Aragon. On voit qu'il a gardé, qu'il a des restes, hein, en sport collectif en tous les cas. Oui, monsieur le maire a beaucoup pratiqué le judo. Donc c'est un sportif aguerri. Et, dans les et années... en politique, il le faut, être en condition physique et en grande forme. Ouais, et puis dans les années 2000-2005, il me semble qu'il était délégué au sport, hein, à la ville de Valence déjà, hein, à ce moment-là. Donc on voit quelqu'un d'engagé, d'investi pour le sport, et c'est une bonne chose pour les amateurs de rugby. Allez, un coup d'envoi qui va être donné maintenant. On attend quelques secondes que les officiels sortent du terrain. Voilà qui est fait. Allez, c'est parti pour 80 minutes, Gilbert. Avec un premier ballon. Voilà. Oh là là, avec une grosse charge. Grosse charge déjà des avants de Mâcon là. Tiens, a pris la foudre là sur cette réception. Allez, il va falloir peut-être se dégager rapidement. Voilà qui est fait avec Mathieu Cambera-Biro qui tape très très loin et très très haut et qui trouvera la première touche de cette rencontre. Comme on a pu le voir dans les rencontres précédentes sur Mistral TV, j'espère qu'au niveau du ROC, ils ont résolu un peu tous ces problèmes en touche et en mêlée. La conférence, Jarret avait dit qu'ils avaient fait une bien meilleure deuxième mi-temps là, à Bourg-en-Bresse il y a 15 jours. Et j'espère qu'on va avoir une belle équipe du ROC. Et ben voilà, premier ballon gagné là pour les Mâconnais qui avancent. Avec Van Vic là, qui a transpercé. Allez, on revient. Aura. Et Van Vic toujours. Avec un ballon qui va être sorti par Campeggia, ouais. Toujours Mâcon avec le ballon. On passe par le sol. Allez, Campeggia là encore à nouveau. Voilà qui est fait. Et on vient pilonner donc les premières lignes, Gilbert. C'est déjà un engagement assez intéressant. On ne se laisse pas distraire, hein, par l'aspect défensif, mais plutôt on est tout attaque du côté de Mâcon. Et c'est de bon augure là pour ces joueurs qui veulent absolument ramener quelque chose du stade Georges Pompidou. On connaît les faiblesses du ROC, le ROC connaît les faiblesses de Mâcon. Et il va falloir produire du jeu pour vraiment s'en sortir cet après-midi. Allez, deuxième attaque là pour Mâcon là, qui tente par le petit côté de passer. Donc on revient et on repasse par le centre avec une intervalle mais qui n'a pas été trouvé fort heureusement. Le ROC défend plutôt positivement là. Attention avec cette infiltration et cette première ouverture là pour ces joueurs en Mâconnais qui récupèrent un ballon. C'est un petit peu le feu dans la défense du ROC là maintenant. On vient par le petit côté, attention avec une ouverture. Et attention, effectivement, il multiplie les temps de jeu pour le moment. Le ROC, bon, la défense est bien en place, mais attention de ne pas se mettre à la faute, on est sous les poteaux. Et toujours Mâcon en possession du ballon. Allez, avec une perte de balle, et tout de suite, Yvan, voilà, il est pris avec une charge de Tuilébuca. Monsieur l'arbitre a considéré que c'était un avant volontaire. Et une première pénalité pour Mâcon.
Oui, on a vu les intentions de Mâcon, ils vont produire énormément de jeux. Ils gardent la main sur le ballon. Et derrière, ils arrivent à trouver l'intervalle, comme on a pu le voir, avec Campeggia. Et heureusement qu'il n'a pas pu servir correctement, sinon ça aurait pu faire mouche. Mais le Roc est maintenant averti avec les intentions de Mâcon, ici au stade Georges Pompidou de Valence. Ils ne viennent pas en victime, mon cher Roger. Non, bien sûr. De toute façon, ils n'ont rien, rien à perdre, on le sait. Hein. Donc, autant jouer le jeu à fond. De toute façon, produire du jeu, c'est aussi faire le jeu du Roc, hein, qui aime bien avoir un peu la pression pour peut-être trouver la motivation nécessaire pour contre-attaquer. Non, on a pu voir que la défense était vraiment bien en place. Elle est cachée, là, qui tente et qui transforme cette première pénalité. Ouais, trois premiers points pour Mâcon. 3-0. 3 minutes. C'est bon, on a c'est le Roc qui a réceptionné ce coup d'envoi, donc automatiquement ils se sont retrouvés dans leur camp. Et maintenant faut pas se la surmultiplier et essayer de récupérer ce ballon sur ce coup d'envoi, Roger, de façon allez à imposer son jeu. Coup d'envoi donné par Labi, ou là là, il va pas trouver les 10 mètres. C'est vrai. Ah là 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 là. C'est des ballons gâchés. C'est des ballons gâchés, comme tu dis. On va voir cette première mêlée, Roger. J'ai vu la première ligne de Mâcon. Une première ligne basse. Mais attention, hein, parce que si on retombe dans les travers avec cette fragilité psychologique qu'on connaît, hein, bien sur Mistral TV du côté du Roc, Mâcon risque de s'engouffrer dans cette faille et alors là, ça risquerait d'être très très compliqué. Cette mauvaise remise en jeu, c'est laisser tout espoir à Mâcon de se dire on a un engagement là maintenant avec une mêlée et on va pouvoir attaquer cette équipe. Attention, ouais, ça tombe. Et pénalité. On a écroulé la mêlée visiblement du côté du Roc et ça n'a pas plu à monsieur l'arbitre. Ouais, monsieur l'arbitre, voilà, ne se pose pas de questions là sur les mêlées. Il va pas s'embêter avec cette phase de jeu. Et ça va donner l'opportunité à Mâcon peut-être d'aggraver le score. 50 mètres face au poteau. Ça ne pouvait pas plus mal commencer pour Cambera-Bero et ses partenaires. On va la tenter. Hein. On a un petit peu le vent avec là, donc du coup, pourquoi pas. C'est un vent qui souffle un petit peu nord-sud, là, légèrement, petite bise. Et ma foi, Caché qui va tenter de marquer 3 points supplémentaires, ce qui ferait 6. Attention déjà. Hein. Ouais, c'est un peu court. C'est un peu court, Gilbert. Donc, puis c'était pas Elabi qui va pouvoir dégager son camp. On monte une grande chandelle. Et on joue rapidement du côté de. Ouais, avec attention au rebond. C'est avant le rebond là qu'il faut prendre le ballon, mes amis. Là, c'est le numéro 4 du four qui remet son équipe dans le bon sens. Et on s'assoit. Attention là, parce que si ça. Oh là là, avec une passe en avant. Ah, mais monsieur l'arbitre ne l'a visiblement pas vu. Donc on joue. Ah, si. Et il y a derrière un petit à l'avant. Ouais. Donc, ils sont passés par le sol. Attention à ce joueur Saïd Omar, très physique au centre. Enfin, je ne suis pas inquiet pour Labi et Tulebuka, mais ça va être une grosse confrontation là au centre du terrain avec ces joueurs. Et encore une mêlée, attention de s'appliquer, de ne pas tomber. Allez, recommandation de monsieur l'arbitre, ne pas réitérer cette mêlée qui s'est écroulée. Voilà, avec Mathieu Cambera-Bero à l'introduction. Oula, grosse poussée. Ah, c'est Mâcon qui est sanctionné cette fois. Parce qu'on a poussé en travers. Ah oui, en travers, d'accord. Ils ont poussé en travers. Je pensais qu'ils avaient commencé à pousser avant l'introduction. Donc, Non, la gestuelle de l'arbitre, c'est le pilier qui s'est mis en travers. D'accord. Ouais. Allez, moi de l'habit qui va nous trouver cette touche. Allez, pour s'approcher de la ligne d'en but mâconnaise, c'est le meilleur moment, c'est le meilleur moyen en tous les cas, pardon. Peut-être pas forcément le meilleur moment, mais quoi qu'il n'y a pas de meilleur moment hein, dans une. Tant qu'on marque, on prend première points. Incursion du Roc dans le camp de Mâcon. Il va falloir scorer, trouver des solutions.
depuis le début de la rencontre, on joue la 7ème minute, le Roc a plutôt subi. Maintenant il va falloir se mettre à jouer. Allez voilà, très belle touche, très belle prise de balle avec Tia qui sonne la charge là avec qui essaie de prendre l'intervalle mais il est freiné dans sa course avec un ballon. Oh là là, un ballon qui n'est pas perdu, pas d'en avant, dit monsieur l'arbitre. Donc on continue à progresser Gilbert pour cette équipe du Roc qui se montre à son avantage là avec. Oulala, on subit là le plaquage, on recule. Allez, il faut refixer cette défense maintenant, messieurs. Et sortir le ballon rapidement, peut-être aussi, pour produire du jeu, c'est ce qu'on demande. Maintenant. Ça y est, on va reprendre là, pour essayer de resserrer cette défense de Mâcon. Et on ouvre. Allez, on ouvre plein centre maintenant. On continue à progresser avec Labi maintenant, qui va transmettre. Non, qui conserve ce ballon avec un ballon qui sort maintenant. Tiens. On va peut-être revenir dans l'axe. Voilà qui est fait avec Mathieu Cambera-Béro. Guagou maintenant, au Guagou. Centre. Et encore une fois, on ouvre avec Tia. Manoa maintenant. Et allez, on réessaye maintenant avec ce petit ballon en cloche là. Et ouais, on a malheureusement un ballon qui a été. Qui est sorti en touche. Qui est sorti en touche, mais c'est voilà. C'est le joueur de Mâcon, voilà, une touche bon. Avec le lancer pour. Le Roc. Bon réveil du Roc là sur cette face offensive, Gilbert, qui rassure un petit peu sur la qualité du jeu produit chez les Rouges. Ouais, il faut jouer. Lorsque l'équipe est en possession du ballon et impose son jeu, ça va faciliter les choses. Donc il faut qu'impérativement le Roc continue à produire du jeu. Allez, belle récupération. Mais alors là, qu'est-ce qui s'est passé? On a poussé visiblement. C'est quoi ce geste? Non, c'est le lancer qui n'est pas droit. Le lancer pas droit. D'accord, donc on va. Un lancer pas droit. Donc on va revenir. On va laisser le choix à l'équipe de Mâcon, capitaine de Mâcon, de prendre la mêlée ou la touche. Ils ont choisi la mêlée. Donc attention de ne pas se mettre à la faute du côté du Roc. Sur la mêlée. Essayer de récupérer ce ballon. C'est un ballon important. Introduction au Campedia. Encore une fois. Voilà qui a l'air stable. Oh. Ça pousse. Ouh là là, c'est une mêlée qui tourne. Sort. Et on attaque. On attaque depuis ses 5 mètres. Avec Mâcon, avec le numéro 11, Brunel. On se sent fort. On se sent fort du côté de Mâcon. Attention, messieurs, de ne pas se mettre à la faute. Allez, on va taper devant. Voilà qui est fait avec une touche. Avec une touche, je trouvais. Environ 45 mètres. Toujours dans le camp de Mâcon. Donc voilà, c'est tout. Tout est à refaire maintenant pour le Roc. On voit les joueurs déjà qui se désaltèrent là. Il fait vraiment chaud aujourd'hui, Roger. Ça va être difficile pour les joueurs. C'est vraiment un temps idéal pour la pratique du rugby. Allez, Asensi là qui fait cette touche, mais qui n'est pas droite non plus. Et encore voilà. Une fois, une touche pas droite. Voilà, on retombe dans les travers de début de saison, Roger. Toujours ces problèmes récurrents au niveau de la touche, c'est des munitions perdues. Oui, on l'a vu, et en plus elle est juste sous nos yeux, donc ça donne encore et à nouveau une occasion pour Mâcon d'avoir une possession, tout simplement, et de jouer dans le camp des Rouges et Bleus, et de se prendre justement donc cette pression supplémentaire dont on pourrait se passer, autant dominer, autant jouer dans le camp adverse, mais c'est un petit peu l'inverse. Voilà, ça tombe immédiatement, monsieur l'arbitre va demander de jouer, c'est fait. Avec Van Dijk qui part, mais Manoa qui veille. Et on continue à pilonner avec maintenant Jamais. Et oui, oh là là, et ça passe encore Gilbert. Et maintenant Foury qui essaye de prendre l'intervalle. Là, ça sur le petit côté, si ça sort. Aguilar maintenant. Si on joue à droite, y a une, ça peut être dangereux là. Non, on revient. Non, le décalage n'est pas fait encore, Roger. Non. Allez, toujours Mâcon, on revient dedans. Ah là 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 là, attention. Et on avance petit à petit. Là, on a au moins fait 15 mètres. Allez, avec Toké là qui vient percuter vraiment la ligne défensive du Roc. Oh là là, et on passe. Et on passe pour le numéro 11. Heureusement.
Brunel qui rate ce ballon. Mais quelle difficulté. Voilà, on subit du côté du Roc. C'est Macon se pose pas de questions, joue tous les coups. Et derrière arrive à créer les décalages. Et heureusement cette mauvaise passe qui finit en touche. Mais allez mon petit Asensi, il faut s'appliquer, il faut se lancer. Il faut s'appliquer. Allez, une touche droite de préférence. Les supporters sont pas très très contents là. Voilà, ça, voilà, c'est une on revient belle prise sur le balle. Premier bloc. Voilà, on va sécuriser ce ballon maintenant avec le Roc. Très très belle prise de balle de Michel là, Gilbert. Ouais, moi c'est Gilbert. Ouais, oui. C'est Gilbert, ouais, non. Le Mol qui s'organise et qui commence à avancer. Et Manoa qui s'isole. Attention. Allez, un ballon qui va sortir maintenant pour les Rouges. Tape devant et Mathieu. Une chandelle. Avec une récupération de balle. Non, Lou qui n'y arrivera pas. Oula, mais oui, non, on se met à la faute là. On se met à la faute. Ouais, on se. Et c'est un en avant. Monsieur l'arbitre considère que c'est un en avant des Noirs. Ce sera une mêlée introduction pour le Roc. Ouais, vous découvrez sur Mistral TV ce joueur numéro 14, No. Qui est arrivé en joker médical il y a quelques semaines. Petit arrêt de jeu. Voilà, de nouveau. Roger, les mêmes problèmes récurrents pour le Roc. Les problèmes de lancer en touche, de et synchronisation avec les lanceurs-sauteurs. Et oui. Donc ça les oblige à lancer sur les premiers blocs, sur les premiers sauteurs. Donc ça ferme automatiquement d'autres options de jeu. Allez, Mathieu, sur les extérieurs. Mathieu qui va introduire ce ballon. Allez, il faut tenir aussi au niveau de la mêlée. On subit. Voilà, une bonne mêlée. Allez, Cambéravero. Barre. Allez, Labi à la fontaine. La fontaine. On le tue comme un footballeur. Avec tout de suite. Ah voilà, c'est bien. C'est bien pris là. Il faut aller maintenant au contest. Il faut remettre la pression. Eh oui, parce que. Et ça va taper. Ça là. Va être un coup de pied par-dessus, ouais. Par le demi de mêlée. Voilà. Campeggia. Allez, La Fontaine qui va récupérer ce ballon, qui va probablement donner tout de suite à l'eau. Non, même pas. Oulala, on vient. Oulala. Attention de ne pas prendre la foudre comme ça. Et ouais, pénalité. Oula, et ben on s'en sort bien là, Gilbert, hein, sur ce. Ouais, c'est les joueurs qui sont tombés au-delà. Monsieur l'arbitre leur demande de rester debout sur leurs appuis. Et. Ça va être un ballon tapé en touche par Labi pour essayer de se rapprocher de cette ligne maconaise. Ouais, ça fait un peu loin pour le taper directement. Ah, hier en top 14, on a vu un magnifique coup de pied de 50 mètres. C'est hein, vrai. Sur une mêlée, sur la rencontre La Rochelle. Stade Toulousain, ouais, c'est vrai. Mon cher Roger. C'est vrai. Mais c'est un autre niveau. C'est deux niveaux au-dessus. Hein. C'est deux niveaux au-dessus. Hein. Ah, ouais. Oui, mais ça se confirme. Au moins ça. On n'en est pas loin. Hein, on n'en est pas loin. Allez, faut y croire. Allez, un lancer pour le Roc et Asensi. Allez, Asensi, une touche voilà, réalisée. Oh là là, ouais. Non, mais c'est pas sa portiste hein, dans un deuxième temps là, qui réussit à récupérer le ballon. On le récupère. Le ballon est disponible. Alors qu'auparavant, on ne l'avait pas. Hein, sur ces. Donc, il y a quand même du mieux. Allez, un ballon qui va sortir. Oui, on peut dire ça. Et on reparlera avec Manoa, mais qui relâche le ballon. Et ça contre-attaque immédiatement pour le Macon. Et on ouvre immédiatement. Et ça, c'est dangereux. Si on prend l'intervalle. J'avais dit avec Saïd Omar là, qui a essayé de prendre l'intervalle. Et ça joue vite. Hein, ça joue vite. Il faut vite se replacer. Il y a tout de suite du soutien. Nathan Vandwijk. En espace de. Campeggia maintenant qui essaie de prendre l'intervalle, mais. De quelques secondes, ils sont rentrés dans le camp à nouveau. Dans la position d'enjeu. Et oui. C'est quand même fou parce qu'on a le sentiment qu'on peine à construire des actions pour se retrouver dans le camp mâconnais. Et en l'espace de quelques secondes, Macon a l'opportunité de contre-attaquer. Et c'est exactement ce qui vient de se passer pour se retrouver dans le camp des Dromois. Oui, mais on sait aussi que Macon est une équipe avec de grandes valeurs. Hein. Ils sont pas venus là, comme je l'ai dit tout à l'heure, en victime. Ils vont tenter de sauver leur tête en Fédéral 1 aujourd'hui. Et ça passera obligatoirement par une victoire ici au Roc.
Ça, c'est dans un premier temps. Et derrière, ils ont un calendrier bien plus favorable que celui du Roc, puisque, comme je disais, le Roc devra rencontrer tous les cadors de la poule après ce match contre Mâcon. Alors que Mâcon, pour la dernière journée de ce championnat de Fédéral 1, va recevoir le dernier Vienne. Donc ils ont plus ou moins les cartes en main. Et magnifique coup de pied. Et ça passe. Et ça passe, les 3 points supplémentaires. 6-0 pour Mâcon. Eh bien, qui tranquillement, hein, sans s'affoler, mène ici sur le score de 6-0. Alors, on entend le public qui commence à un peu s'énerver après les joueurs du Roc. Il faut encourager les joueurs. Allez, Lavi, voilà, qui tape là c'est maintenant. Un coup de pied long. Cherche pas à comprendre. Allez, on passe à travers pour Nicolas là qui malheureusement. Tiatia maintenant qui va relancer. Avec La Fontaine probablement. Il va attaquer le rideau. Ah oui, il avance. C'est bien ça ce qu'il a fait, Tiatia. Attention de pas se mettre à la faute. C'est bien ce qu'il a fait, Tiatia, parce qu'il permet aux siens de, eh bien, de jouer à nouveau dans le camp de Mâcon. Labi qui va tenter. Qui attaque le rideau, mais qui tout de suite plaqué. Camera Béro. Manoa maintenant, petit côté. On continue du. Alors, il se oui. relève. Allez, allez, on continue à avancer. Là, c'est bien. C'est bien ce que font les joueurs de Roc là. Et on continue toujours avec le Roc. Camera Béro. Ouais, faute, pénalité. À la même position d'hors-jeu. Eh oui, forcément. Allez, celle-là, faut la prendre maintenant. Elle est à 40 mètres, pratiquement face au poteau, messieurs. Allez, Julien, il faut que tu nous la passes, celle-ci, pour revenir un petit peu dans la partie et ne pas prendre trop de points, là. Elle est tout à fait à sa portée, en plus. Hein. Et pas à sa... Ouais. Camera Véro qui se fait soigner la main. Ça me fait un peu souci. J'espère que c'est. Il n'y a rien de grave, Roger, pour Mathieu. Il aurait pris. Non, il n'a pas l'air de souffrir énormément. Allez, tape là. Ouais, super. Bah voilà. Ça passe pas. Ça passe à droite, c'était une belle tape pourtant, une belle botte, pardon. Voilà, donc toujours 6 pour Mâcon, 0 pour le Roc. Ça commence à faire beaucoup depuis le début de match. Et Foury qui va donner ce coup de pied de renvoi pour Mâcon maintenant, depuis ses 22. Un long coup de pied avec Labi. Tiatia qui va attaquer le rideau. Allez, c'est bien. Il provoque un regroupement là. Ça sort rapidement en bas. Avec Labi qui va donner peut-être à qui va tout seul. No. Avec l'eau maintenant qui avance et qui est arrêté. On joue vite. Bien lagué. Asensi. Interception. On a perdu le ballon. Et position d'hors-jeu. Allez, position d'enjeu signé sifflé par monsieur l'arbitre contre Mâcon. Et c'est une pénalité 20 mètres pratiquement face au poteau, Roger. Que va tenter maintenant La Fontaine pour le Roc. On voit un très très bon début de match là de Tiatia qui remet son équipe dans l'avancée. Chaque ballon. Et voilà. Et 3 points pour le Roc. Cette fois-ci, ça passe. Julien Lafontaine qui permet à son équipe d'obtenir ses 3 premiers points, Gilbert. Et que ça fait du bien. Oui. Mais toujours 3 points de retard. Il faut continuer comme ça. Il faut rien lâcher. Il faut garder ce rythme jusqu'à la fin. Et accélérer même s'ils peuvent. C'est important. Et maintenant, Foury pour Mâcon qui va donner ce coup d'envoi. Un ballon qui monte haut
dans le ciel de Valence avec Noël Agué qui va être au. Qui rate le ballon. No. Ok, traversé et qui continue. Ah non, non, ah, monsieur l'arbitre a sifflé. Ouais. Il y a eu un à l'avant. C'était trop beau pour être vrai. Mais on a pu voir l'accélération là de No. Ouais. Mais qui fait un bon début de partie, qui est présent hein, à l'arrière. En tous les cas, enfin, il est présent sur les contre-attaques comme ça. Et je trouve qu'il a du talent, ce joueur. On va voir. On va voir d'ici la fin de la rencontre. La rencontre, pardon, mon cher Roger. Oui. Mais on a pu voir son crochet intérieur. Donc le numéro 11, Brunel de Mâcon, est averti. Il accélère très vite. Quel dommage que monsieur l'arbitre avait sifflé. Et une mêlée avec introduction Campeggia pour Mâcon. Campeggia, numéro 9 de cette équipe mâconnaise. Et capitaine aussi, comme Mathieu. Demi de mêlée. Et encore une grosse poussée de Mâcon. Oula, elle tourne cette mêlée, elle tourne. Et du coup, il y a un avantage en cours. Et ben alors là on va subir je pense et on revient avec et une pénalité et je pense qu'on va la tenter pour mettre le Roc à plus 6 pour Mâcon. Pardon, pour Mâcon. Non, que... pour mettre le Roc à plus 6, je disais. Mâcon, mettre le Roc à plus 6. C'est Mâcon qui va être à plus 6. Oui, c'est ça. C'est, non, oui, mais t'es gentil, Roger. On l'entend dans ce sens-là, tout à fait, Gilbert. Tu as bien fait de me rectifier du reste. Puis j'adore quand tu insistes après, c'est extraordinaire. Mais bon, c'est pas fait. Elle est excentrée, là, cette pénalité. C'est pas réussi encore pour cacher. Et Mâcon. Mais il est du bon côté, sur son bon pied. Allez. Il est concentré. On va attendre la prise d'élan. Il est caché. Ouais, ça passe. Bravo. Ça revient dedans. Voilà, ça passe. Voilà, donc plus 6 pour Mâcon cette fois-ci. Ah. Et 9 pour Mâcon, 3 pour le Roc. Allez, messieurs. Il va falloir, à la 25e minute de jeu, réagir. Et on peut compter, en tous les cas, sur ces rouges et bleus qui vont tenter de tout faire pour revenir. Alors, oh là là, c'est la deuxième fois. Non, ça va. Ça a été juste. Et d'ailleurs, c'est un excellent ballon du reste. Alors, j'expliquerai exactement ce qui s'est passé, puisque le ballon n'a pas fait 10 mètres. Mais j'expliquerai exactement. Passe à Portis maintenant. Qui va libérer son ballon, Canberra Béro. Allez, sur le petit côté maintenant, avec une attaque nouvelle du Roc. Voilà qui est fait. Allez, un regroupement maintenant, il faut libérer ce ballon, rapidement, un petit peu plus rapidement, voilà qui est fait. Allez, Manoa. Ah, qui a chargé comme il a pu là, comme une mule. Asensi maintenant. Celle-ci, voilà un ballon qui doit pouvoir se libérer. Mais Mâcon était bien au contest là. Ils ont récupéré le ballon. Et c'est Onuti qui est remonté. Ouais, bah heureusement qu'il veille au grain quand même derrière, mais quelle charge. Et récupéré de nouveau par le Roc. Ça joue, hein. Ça joue arrêté. Allez, il faut ouvrir là. Faut ouvrir un petit peu plus rapidement, messieurs. Voilà qui est fait. Alors ne pas mettre. Vitesse et précipitation, pardon. Noël Agué. Nouveau le ballon. Pénalité, voilà. On a gardé le ballon. Le plaqueur qui relâche pas. Que c'est difficile, mais que c'est difficile. Alors, qu'est-ce qu'on va tenter, Gilbert ? Tout à l'heure, donc, j'expliquais, lorsque le ballon n'a pas fait 10 mètres, comme un joueur de Mâcon a essayé de jouer la balle, automatiquement, Le monsieur l'arbitre a laissé jouer, il y a eu un à l'avant, ça a donc fait un avantage pour le Roc. Voilà, on va essayer de trouver la touche, c'est fait avec la bille. Allez, il faut qu'Asensi se concentre maintenant pour tenter de réaliser cette touche avec une combinaison dont ils ont le secret, forcément. Ouais, il faut impérativement gagner ce ballon, la prendre à deux mains, ne pas faire de tape pour éviter de se mettre la pression. Et on entend le public du Stade Pompidou encourager les joueurs du Roc.
Allez, voilà, voilà. Magnifique, ça, c'est... Oh, non, relâché par Passaportis. Mais non, mais de toute façon, ça joue. Et non. C'est un en avant encore. C'est le relayeur qui a fait un petit en avant. C'est fou, on n'arrive pas à les conserver, ces ballons. On n'arrive pas à les gagner. C'est les gagner déjà. On y est sur le ballon, on l'a et on le relâche. C'est la troisième touche que je vois où on relâche le ballon. Est-ce que c'est de la maladresse? Est-ce que c'est de la déconcentration? Peut-être un mélange des deux. Il y a aussi le joueur, le sauteur. Il y a une bonne lecture du jeu, de l'alignement de Mâcon. Et c'est le sauteur qui a justement réussi à contrer un peu la prise à deux mains en l'air. Et le relayeur qui a fait un petit en avant derrière. Donc c'est une très bonne lecture du jeu des joueurs de Mâcon. Et c'est l'introduction maintenant pour Campeggia. Et ça pousse, encore pour Mâcon, ça pousse. Allez, ça c'est démarre. Sorti. Et avec le numéro 11, maintenant Brunel. Ah lui, il tape à suivre pour lui tout seul et c'est un superbe. Maintenant s'il y arrive, essaie. Essaie. Et ben, ouais, à lui tout seul, il a fait le jeu. Brunel donc qui vient de. Eh bien, à lui tout seul de faire le jeu. Et c'est 5 points pour Mâcon. Avec un départ de Van Wyk. Il y a un rebond favorable également, hein, qu'il faut souligner. Et ça fait partie du jeu. Et derrière, un départ de Van Wyk qui arrive à fixer la défense du Rock. Comme on a subi sur la mêlée, les trois amis ont été dans l'obligation de rester pour pousser Roger. Donc automatiquement, ça ouvre des portes pour le jeu de Mâcon. Et Van Wyk qui a pu servir Brunel. Petit coup de pied par-dessus, le long de la touche. Le bon rebond. Et c'est laissé. Et déjà 14-3 quand même. Plus 3, plus 2 supplémentaires s'il y arrive. Bon, on prend déjà un petit peu la soupe là. Gilbert. Oui, il va falloir remettre de l'ordre. Remettre de l'ordre dans la maison. J'en perds un peu mes mots, Roger. Oui, on sait très bien que supporter. Rien n'est fait, hein, on joue la 30e minute, 14-3, rien n'est perdu. Oui, non, c'est sûr. Mais qu'est-ce que c'est compliqué. En plus, contre le premier. Non-relégable. Non-relégable, oui, c'est un petit peu compliqué là. Hein. Et Caché qui va tenter cette transformation. Allez, ça réussit. Ça réussit. Non, ça passe à gauche. Ça passe à gauche. Bon. Donc 14 pour Mâcon, 3 pour le Rock. Allez messieurs, il faut. Ouais, il va y avoir un changement qui va être effectué du côté du Rock. Avec Oliver qui va rentrer. Je pense qu'il va remplacer Croza à droite de la mêlée du Rock. Allez, moi de l'habit, qui va faire cette remise en jeu, il faut absolument qu'il se concentre là pour faire une bonne mise en jeu. De ne pas se tromper une troisième fois, en tous les cas, on l'espère. Mais qu'est-ce que c'est difficile, Gilbert. Ouais, c'est très très compliqué. C'est une équipe en souffrance. Hein, Après les deux victoires, on pensait qu'ils étaient à peu près guéris, mais on voit que c'est quand même une équipe encore en souffrance, comme tu le dis, en convalescence. Et Mâcon qui continue à faire du jeu. Maintenant avec Saïd Omar. Ils ont compris, hein, de toute façon, hein, ils ont jugé les faiblesses. Et donc on y va, on attaque. Hein, on attaque. Et voilà, hors-jeu. Non, l'arbitre laisse jouer. Toujours Mâcon, possession du ballon. Manoa qui monte très vite. Campeggia maintenant avec Foury qui monte une chandelle. Ouais, il va falloir être dessous là avec La Fontaine. La Fontaine qui récupère. Bien. Il faut l'aider maintenant. Il faut venir l'aider. Il a le soutien de Tiatia. Ça va, c'est récupéré Gilbert. C'est un ballon qui va sortir maintenant. Avec pourquoi pas une contre-attaque. Michel maintenant. Ouais, on est tout de suite pris hein, par ça la monte patrouille. Très vite. Je crois que c'est Guagou maintenant. Allez, voilà, voilà un bon ballon qui est retransmis. Labi qui va peut-être prendre l'intervalle. Ah non, en avant de là-haut. Attention à cette contre-attaque. Et encore un ballon tombé. C'est des fautes de main.
manque de lucidité. Je pense que les joueurs sont très nerveux par rapport à l'enjeu de la rencontre, Roger. C'est pas que j'essaie de leur trouver des excuses, mais comme ça nous est arrivé de le dire sur Mistral TV, l'enjeu a pris le pas sur le jeu. Et les joueurs se compliquent des fois la tâche. Oui, alors qu'on vient s'hydrater hein, sur le terrain, tu l'as souligné tout à l'heure, il fait chaud, très chaud. Et du coup, les joueurs ont besoin de boire un petit peu. Hein. Et Mâcon, je rappelle le score, toujours devant, 14 pour Mâcon, 3 pour le Roc. On joue la 33e minute de jeu. Et introduction Campeggia. Sur la ligne des 10 mètres du côté du Roc. Et ce changement en première ligne, on va voir si ça va mieux sur cette mêlée. Avec Oliver qui est rentré. Un contrôle du pied, tu vois. Presque comme au football. En tous les cas, ils ont pu conserver le ballon. Campeggia maintenant. Maintenant Toqué. Campeggia. Et ça joue bien. Et ça revient à l'intérieur avec le numéro 11. Voilà, encore une nouvelle attaque. On fixe. Et on aplatit. Non. Non, il reste encore 5 mètres. Ouais, mais le décalage est fait. Et c'est, en avant. Oul. En avant. Et ça, c'est vu par monsieur l'arbitre. Heureusement, Gilbert. Ouais, parce que le décalage était fait là-bas sur le petit côté devant la caméra de Mistral TV. Ouais. Ils ont mal joué le coup, hein, les Mâconnais. Mais bon, c'est tant mieux hein, pour le Roc. On va dire ça comme ça. Et c'est une introduction pour Mathieu Camberbero maintenant. On va arriver à la 35e, il ne reste plus que 5 minutes pour la mi-temps, Roger. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'arrêts de jeu. Mais c'est incroyable la température qu'il fait aujourd'hui hein, sur Valence. Oui, très très... Pour un mois de février. Oui. On aurait presque envie de se mettre en t-shirt avec lunettes de soleil. Ah, on pourrait, à l'abri de cette légère brise là, un petit peu fraîche. Alors que visiblement la mêlée. La mêlée a tourné, monsieur l'arbitre va la faire refaire. Toujours introduction Mathieu Camberbero. On est à 5 mètres de la ligne du Roc là-bas. Dans le côté opposé à la tribune. Et on va voir cette poussée. Mâcon qui va essayer de mettre en difficulté le Roc. Je rappelle que Oliver est rentré pour tenir la mêlée du Roc à droite. Allez, poussée là, voilà, une pénalité. Et ça tombe, une pénalité. Bon, ben voilà, c'est un moindre mal. Le Roc va pouvoir se dégager maintenant. Voilà. Heureusement. Voilà, très très long dégagement de la bille qui trouve une petite touche. Malgré tout, on reste encore bien dans le camp du Roc. Et il va falloir gagner ce ballon, le maîtriser, en tout cas, oui, le voilà. Sécuriser. C'est de toute façon le Roc qui joue, mais... voilà, lancé maintenant à Sensi. Ah, ça y est, on l'a réussi celui-ci avec un mol, un groupé pénétrant qui est en train de s'organiser, mais on n'avance pas, on recule. Ouais, le mol, ça y est, le camion avec Manoa qui a pris les clés du camion, qui dirige la manœuvre. Ça y est, ça avance là pour le coup. Il y a un avantage en cours pour le Roc. Je sais pas, il y a des opportunités là, comme sur un coup là, où. On pourrait tenter de jouer rapidement pour essayer de gagner 10 mètres de mieux. Mais je sens les joueurs... Oui, après, attention Gilbert, après on est aussi, on a une équipe en face de Mâcon qui a des arguments et qui vient gêner aussi la progression du Roc. Et là on trouve pas la touche. Et aïe. On est à l'envers, complètement caché. À l'envers. Mathieu, maintenant. Ouais, attention la de pas... Et on monte une chandelle.
Allez, Mouad, voilà, c'est très bien là. Bien avec là, la bien fontaine assuré. En soutien, qui va pouvoir libérer. Caméra Béro. Qui est courageux. Balagué. Oh là là, mais c'est un ballon mal donné là. Attention, messieurs, il va falloir se concentrer sur la passe. Saïd Omar qui sonne la charge pour Mâcon. Et c'est encore une cartouche de gaspillé. Hein. Tu parles de cartouche, Gilbert, mais c'est effroyable les erreurs directes que. Et le décalage. Voilà. Et de nouveau ce feu follet de Brunel là-bas, à l'aile opposée. Ah ben qui y va. Il y va tout seul comme un grand. Et voilà, essai. Bravo Mâcon. C'est le Roc qui prend l'eau, complètement l'eau sur cette. On n'y est pas. Un manque d'envie peut-être aussi, je ne sais pas exactement, mais en tous les cas, c'est très très difficile quand on voit ce. Encore sur un ballon de récupération. Suite à une mauvaise passe et derrière ça contre-attaque immédiatement. Et je vois pas comment, juste avant la mi-temps, là le décalage est gros. 19 pour Mâcon, 3 pour le Roc et cette transformation qui va être tentée maintenant 20 mètres face au poteau. Je vois pas comment Caché pourrait la rater. Est-ce qu'il mettrait le score à 21? Et voilà, qui est fait. Bon. Eh bien, ma foi, hein, 24 22 à 3. Donc c'est la détermination et l'assurance est côté de Mâcon dans cette première mi-temps. Et maintenant ils vont jouer sereinement. Sans aucune pression, il va falloir juste conserver cet écart. Allez, le score. Et Labi qui va taper ce coup d'envoi. Voilà, double en avant là. Peut-être que monsieur l'arbitre va intervenir. Non, c'était joueur de Mâcon qui avait dévié le ballon pour monsieur l'arbitre. D'accord. Bon. Eh bien, allez. Hein. C'est la mi-temps maintenant, 40e minute. Voilà une touche trouvée. Bon, et eh bien Mâcon qui fait son match, hein, qui a fait son match, sa première mi-temps en tous les cas, et qui mène tranquillement au score, sans profitant hein, des erreurs directes de son adversaire. Ah, ça s'énerve un petit peu là, messieurs. Ouais, on est frustré hein, du côté du Roc, vraiment face à cette supériorité. Mâconnaise, Stade Georges Pompidou aujourd'hui. Ça sert à rien. Pensez plutôt à vous reconcentrer sur le jeu. Monsieur l'arbitre qui appelle les capitaines pour remettre un peu d'ordre. Avec peut-être les joueurs. Voilà, les joueurs fautifs. Il va sûrement aller reprendre un petit peu oralement en leur disant que la prochaine fois ils iront se reposer 10 minutes. Et un lancer pour le Roc. S'il faut scorer, c'est maintenant, messieurs. Pour garder un espoir de victoire dans cette rencontre. Et voilà. Ballon, Macambera Bureau. Barre, Labi. Allez, on croise là, ça c'est bien joué. La fontaine qui va peut-être remettre. Non, okay. La défense a bien glissé du côté de Mâcon et ça sort immédiatement. Ouais, mais là, avec Yolagué. Il faut libérer. Manoa au soutien. Cambera Berro. Michel. Plein fer. Cambera Berro maintenant. Et avantage. Un avantage en cours pour les Dromois. Avec Yule Buka. Peut-être tenter un drop ou je sais pas, mais en tous les cas. Ah, il faut scorer. Le drop n'est pas suivi. Manoa maintenant. Ouais, mais pour profiter. Ou alors peut-être un petit ballon en cloche, j'en sais rien. Pour trouver. Non. Et on reviendra avec Guagou. Cambera Berro. Tiatia. Qui essaie de prendre l'intervalle. Cambera Berro. Oliver. Ah, les pénalités. Et une pénalité maintenant pour le Roc. Qu'est-ce qu'on fait là? Il faut la. On sait pas trop. Prendre les points peut-être. Mais là,
le temps, je pense, est fini. Donc, monsieur l'arbitre... laisse pas le choix, en fait. Il faudra voilà, prendre les 3 points. Puisqu'il ne laissera pas jouer la touche derrière. Donc, il faut prendre les 3 points. Et revenir un petit peu dans cette rencontre. Puisque le chronomètre est terminé sur cette première mi-temps, Roger. Et La Fontaine qui va tenter cette pénalité. Voilà cette tentative de pénalité qui passe. Et allez, le score. 6 points. C'est la mi-temps, monsieur l'arbitre siffle la mi-temps. Donc Mâcon 21, le Roc 6. Quoi dire ? Qu'est-ce que je te dis, Roger, cette première mi-temps ? Ben, beaucoup, beaucoup de fautes de main du côté du Roc. Et chaque ballon a été exploité comme il le fallait par cette équipe de Mâcon. Et deux fois, ça a fait mouche. Ils ont su systématiquement scorer sur leur temps fort. Donc, il va falloir remettre de l'ordre dans la maison du Roc cette deuxième mi-temps si on ne veut pas prendre la foudre dans cette rencontre. Et garder toujours cet espoir de maintien en fin de saison, Roger. J'espère qu'il va y avoir de l'ordre de remis à l'habitant. Voilà, donc c'est sur ces quelques mots. Et je vais profiter quand même pour une annonce, puisque nos caméras, enfin nos confrères d'Eurosport vont diffuser la rencontre le 26 mars en duplex. Hein, Romans Bourg-en-Bresse et Aubenas à Seyne-sur-Mer. Donc voilà, retenez bien cette date du 26 mars. Puisque donc ces deux matchs seront retransmis en duplex et en direct sur Eurosport. Voilà, donc on va eh bien, en rester là avec ce score de 21-6 et on se retrouve dans quelques minutes pour le coup d'envoi de cette seconde mi-temps, Gilbert. Merci, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Et voilà, on va attaquer cette deuxième mi-temps, mon cher Roger. Ouais, le Roc est rentré en premier là, sur ce terrain. Ils sont déjà prêts à en découdre avec cette équipe de Mâcon. Et il va falloir jouer avec le soleil dans les yeux maintenant, en deuxième mi-temps. Voilà, et le Roc qui a marqué 3 points juste avant la mi-temps. Et qui semble complètement motivé. On a la visite du président de l'association, monsieur Benoît Fournant. Bonjour, monsieur Fournant. Ah, voilà que Gilbert est parti pour saluer. Donc, on va voir cette deuxième mi-temps. Mon cher Roger, j'espère que le staff a remis les pendules à l'heure et qu'on va voir le Roc sous une autre image. Oui, voilà. On a donné une autre image. Il faut y croire. Hein. On sait que de toute façon, rien n'est joué. Une mi-temps, ça se joue à fond. On sait que le Roc a des arguments. Et ils vont le montrer maintenant, tout de suite, chers téléspectateurs, avec cette remontée extraordinaire. Voilà, coup d'envoi très haut là, pour essayer de le récupérer. Voilà. Ça cafouille un peu, mais c'est récupéré de nouveau par le Roc. C'est le Roc qui a pris le ballon. Voilà, de nouvelles intentions. Maintenant, on vient jouer dans le camp Mâconnais. Avec un ballon qui va sortir maintenant, Gilbert. Voilà, Canberra Véro qui vient donner à Oliver. Non, c'est pas Oliver, pardon. C'est voilà, Canberra Véro, Manois, là-bas, petit côté. On essaie d'avancer toujours. Gardez le ballon. Barre, Nabi, Tulebuka, La Fontaine, avec Olotu. Allez, voilà, c'est bien. Il avance, Nicolas, avec Mathieu ballon qui vient disponible, tout de suite récupérer ce ballon. Et à nouveau, on vient torpiller les lignes de Mâcon. On veut absolument réagir, on veut surtout pas en rester là. Voilà, maintenant, un ballon qui est perdu. Ça va être contre-attaqué immédiatement. Et voilà, avec un nouvel essai, probablement. Et voilà,
5 points supplémentaires, mon cher Gilbert, encore une fois. 7 points parce que je vois pas comment ils vont rater la transformation, puisque encore un essai. Et le bonus offensif en poche pour Mâcon. 26 à 6. Beaucoup de maladresse, hein. Il faudra donc le souligner dans cette partie. Un joueur qui s'énerve un petit peu là. Mais voilà. Le scénario catastrophe. 2 minutes, même pas 2 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Il y a un essai sur un contre. Rondement mené. Et le bonus offensif en poche pour Mâcon. Voilà, 2 points supplémentaires. 28 à 6. Voilà, c'est... C'est très, très difficile pour... on entend les supporters de Mâcon qui se sont déplacés en nombre aujourd'hui à Pompidou pour supporter leur équipe. Et qui sont, oui, plutôt contents, forcément. Hein. On sent les joueurs du Roc là complètement abattus, mais il ne faut pas baisser les bras, messieurs. Il reste encore 35 minutes, 37 minutes de jeu. Pour revenir, un long ballon, il faut récupérer ce ballon maintenant. Allez, là, c'est récupéré. On avance, Canberra Béraud. On vit là. Bien avec maintenant Bardos qui fait son entrée. Pas perdre la balle. Bar. Il ne pas s'exposer. C'est l'avancée. Canberra Béraud. Et allez. Encore un ballon tombé. Un en avant et il y a un contre. Et un allez. Contre. On y va à nouveau. Un long coup de pied. Pourquoi pas jouer avec La Fontaine qui va pouvoir dégager le camp et trouver une petite touche. Mais le lancer va être pour Mâcon, Roger. Environ 30 mètres de la ligne de but du Roc. Donc on a vu quelques changements du côté du Roc, puisque Bardos est rentré à la place de Passaportis. Et le lancer pour Campergue, pour Mâcon maintenant. Voilà une bonne prise à deux mains, le mol qui s'organise. Et on démarre au ras là avec Van Vick qui reste debout, qui attend son soutien. Mais beau contre Roc là du Roc qui a gagné le ballon. Allez, et Bar qui va pouvoir se dégager, mais il faut garder le ballon sur le champ de jeu. Voilà. Et là, Caché qui va pouvoir dégager son équipe et trouver une touche à proximité de la ligne médiane. Toujours dans le camp de Mâcon et un lancer pour le Roc. Allez, Cassin-Sy là. Qui va juste en dessous de nous réaliser cette touche et on va pouvoir l'apprécier. Et de l'application, messieurs. Ballon gagnant de temps là, Manois maintenant. Tout de suite mis au sol. Et ça va redémarrer au ras avec les avants, avec Tiatia. Et on continue d'avancer tout doucement. Canberra Béraud. Une pénalité, tiens, pour... Et les joueurs qui viennent couvrir. Monsieur l'arbitre sanctionne les joueurs qui sont venus se coucher pour protéger le ballon. On ne voit pas comment le Roc Gilbert va pouvoir rivaliser là. À ce niveau-là, je crois que c'est quand même très très compliqué. En plus, Mâcon est bien positionné. Ils sont à l'affût hein, de la moindre faute valentinoise. La Voulte Valence, en tous les cas... Oui, effectivement, c'est. On se rend compte que beaucoup de fébrilité chez les joueurs du Roc. Ils ont du mal à imposer
leur jeu. Ça résume un peu toute la saison. Ou même sur leur temps fort, ils n'arrivent pas à scorer. Un petit en avant. Ouais. Qui sauve. Je sais plus quoi dire, Roger, là, sur. Mais ne dis rien. Ne dis sur rien. Cette équipe. Apprécions ce match simplement. Finalement, sans forcément vouloir absolument que le Roc. Qu'il y ait un retournement de situation, parce que pour le moment, et de ce que l'on observe et de ce que l'on voit, on ne sait pas, on se demande d'ailleurs comment ils vont pouvoir y arriver. Donc il vaut mieux apprécier maintenant le rugby à sa juste valeur, avec du beau jeu, et c'est aussi ce que l'on recherche sur Mistral TV, hein, bien sûr. Et on a eu des informations à la mi-temps sur les deux clubs qui se déplaçaient aujourd'hui, Romain et Aubenas, qui menaient au score. 17-0 là, Aubenas. Avec Amérabero qui joue rapidement cette pénalité. Et encore un ballon tombé. Labi qui a relâché ce ballon et derrière le ballon. Et, ça s'énerve. C'est l'arbitre qui revient sur l'en avant puisque ça ne profite pas. Et encore une mêlée avec introduction Macon. Voilà, c'est la fébrilité de l'équipe. Où on essaie. On joue le ballon avant de l'avoir en possession. Avant de l'avoir dans les mains. Et je vous rappelle le score de 28-6 pour Macon. Et qui est le bonus offensif, hein, comme tu l'as souligné. Et le bonus offensif en poche, puisqu'il y a eu 3 essais de marquer. Allez messieurs, il faut essayer de redresser la tête. Voilà, belle poussée du Roc qui a pu mettre en difficulté Macon, mais toujours ce diable de Van Vick, numéro 8 là, qui a pu remettre son équipe dans l'avancée. Et Campeggia qui va pouvoir ouvrir. Allez, on ouvre. Oh, superbe Saïd Omar, ouais, et Saïd Omar qui a failli prendre l'intervalle. Campeggia avec caché. Intercalé qui passe par. Et un ballon récupéré par Tiatia maintenant. Ouh, attention à le plaquage haut là. Ouais, on ne passe pas. Hein. On voit pas, hein, comment. Manoa maintenant. L'équipe de Macon est tellement bien positionnée. Et alors, attention de ne pas perdre le ballon là, sur le contact. C'est bon, c'est récupéré. Mathieu Camberabero. D'une motivation exemplaire. Tu l'es Buka. Non, ça passe pas. Qui revient à l'intérieur, mais la défense veille. On revient avec Barre. Continue d'avancer. Qui va libérer Mathieu, voilà. Camberabero. Petit côté avec Manoa. Le soutien est là. Camberabero. Et on continue d'avancer. Ouais, Julie Buka. Mauvaise passe là. Mais Julie Buka a gardé la position du ballon. La maîtrise. On est au sol, mais ça joue doucement. La défense est déjà replacée. Ça n'avance pas, hein. De toute façon. On revient au ras. Ouais, on revient systématiquement. Bardos maintenant, qui essaie de passer juste au ras de ce regroupement, mais qui est tout de suite plaqué. Tiatia maintenant, qui se relève. Et Macon, qui est toujours bien. Camberabero, petit coup de pied par-dessus. On va tenter avec Onutu, mais le ballon. Avec le ballon dans les yeux, c'est un peu compliqué, Gilbert. Hein. C'est le soleil dans les yeux. Oui, pardon, le soleil dans les yeux, pas le ballon. Et Macon qui a pu récupérer ce ballon et qui se remet dans l'avancée avec son numéro 5, Charlon. Ah, récupéré par Camberabero, Barre, Labi. Passe après contact. Mais il faut vite. Voilà. Attention de ne pas s'isoler. Le soutien est long. Arrivé. Et le contre-rock là pour Macon. Non, toujours Camberabero. Tu l'es Buka maintenant. Allez, on avance. Camberabero. Mais le décalage n'est pas fait. Encore une faute. Bardos qui fait un petit en avant. Petit en avant encore, ouais. Il y a des joueurs qui sont restés au sol. Voilà, et ça part. Ça y est.
le numéro 12. Voilà. Debout, c'est l'habit qui est au sol là-bas. L'habit est resté au sol. Ouais, il a pris un. Moi, l'habit est resté au sol là sur le placage. Et là, il y a eu un accrochage entre joueurs. On sent beaucoup de nervosité là du côté du Rock. Il va y avoir quelques cartons, je pense, Gilbert, là, parce que. Je pense que monsieur l'arbitre devrait mettre la main à la poche. Et il faut qu'il mette la main à la poche sur cet accrochage. On n'a pas encore vu pour l'instant. Hein. C'est un jeu qui. Enfin, deux équipes qui étaient plutôt correctes jusqu'à présent. En tous les cas, pas de faute de jeu non plus. Pas de faute. Pas de carton blanc non plus. Et c'est l'arbitre qui écarte les deux équipes. Et c'est l'arbitre qui appelle les capitaines. Allez, qu'est-ce qu'il va. Je crois qu'il appelle le numéro 4. Michel du côté du Rock. Ouais, ça va prendre un jaune là. Ça va prendre un jaune de chaque côté, peut-être. Non, même pas. Ah, main à la poche, c'était sûr. Voilà, deux cartons jaunes. Il fallait que monsieur l'arbitre mette de l'ordre, il a bien fait. Ouais, on essaie de s'intimider là avec des mots qui fusent de chaque côté. Mais monsieur l'arbitre a bien réagi. Michel qui rejoint sa place sur le banc. Pendant 10 minutes, on va se calmer un petit peu, messieurs. Et je crois que c'est Campeggia qui est sorti pour Mâcon. J'ai pas vu le numéro, Roger. Je crois que c'est le 9 Campeggia, le maître à jouer là de Mâcon et deux joueurs qui sortent là. Pour le Rock, Labi, qui m'a touché, je crois que c'est. Sortie numéro 1, Jamais. Numéro 2, Campbell. Numéro 3, Toc. Toute la première ligne de Mâcon qui va être remplacée. Numéro 16, je crois que c'est 17, Oliver qui sort. Bézurdé, le 23, qui m'a l'air blessé avec la bille. Ayarza vient de rentrer pour le Rock. Ouais, c'est Oliver qui s'est blessé. Pour le Rock en première ligne. Ouais, et ben j'espère que c'est pas trop grave quand même parce que. Le ballon qui va sortir en touche ça, pour le coup de pied de Mâcon. Et ça va être une remise en jeu pour Mâcon. Dans le camp du Rock. Ouais. Ouais, alors qu'il reste 25 minutes hein, dans cette partie. Le chronomètre tourne en défaveur du Rock. Ouais, et puis je ne vois pas, moi, Gilbert, très personnellement, je ne vois pas comment l'équipe du Rock va s'en sortir là. Au contraire, elle est tellement fragilisée. C'est numéro 16, Mazur Dadze. Elle a une belle prise à deux mains de Mâcon et le Maul qui s'organise. Voilà. Et ça démarre. Et une bonne poussée, premier arrêt indiqué par monsieur l'arbitre. Et ça sort par Van Vick qui va essayer de. Qui évite le premier plaquage qui sert après contact. Le numéro 14, pas mal Santalier. Fait, pas mal fait en plus. Voilà, on libère. Avec un ballon là qui va à nouveau être porté par Carmona. Par Massurade. Massurdadze. Et là, c'est le numéro 6, Novicki. Il n'y a pas d'avance avec le pied, mais bon plaquage de Tulebuka. Et Santalier qui a pris la place, mais bien récupéré par Ayarzia pour le Rock. Manoa. Bardos. Qui va pouvoir libérer. Guagou avec Ayarzia, grosse percussion d'Ayarzia.
Ça sent pas mettre son pied en touche. Ça va, c'est juste. Tia qui sort. Passe après contact à Bardos. Allez, il faut jouer comme ça. On en continue d'avancer. Canberra Béraud, tu es les Lucas. Maintenant. Et on avance, on continue. Mais la défense de Mâcon est bien en place. Canberra Béraud, barre. Et de l'autre côté, là, la Fontaine. Olutu là-bas, je crois, qui va pouvoir servir. Non, qui revient dedans. Qui crée un point de fixation, qui libère son ballon. Canberra Béraud. Il n'y a plus que des avants dans la ligne de trois quarts du Rock, là. Manoa maintenant. Et on continue d'avancer. Canberra Béraud. Le ballon qui est libéré. Canberra Béraud. Bardos. Passe en deux mouvements là. Le ballon qui a été chippé par le Mâcon. Perdu hein, par le Rock plutôt. Et un ballon. Et Mâcon qui va pouvoir se dégager. Et allez, bing, loin devant. Et une touche qui va permettre au Rock. Allez, on continue comme ça. Voilà, de bonne fois. Donc, comme d'habitude, le Rock multiplie les temps de jeu, avance. Et derrière, ben, une faute de main qui vient gâcher ses points forts. Et une remise en jeu qui va être effectuée par, je crois que c'est Carmona. Qui est rentré à la place de Asensi. Alors qu'on joue à 14 partout. Contre 14. Ouais, 14 contre 14. On a encore vu une très bonne rentrée de Ayerza. Ouais, pas mal. Voilà, une mauvaise passe derrière, une mésentente, et M. l'arbitre. Quand on pense que la touche est réussie, derrière il y a une petite faute technique qui eh bien, redonne le ballon à l'adversaire. Voilà, c'est encore, un avant repris devant. Le relayeur qui fait un avant. Et c'est un joueur placé en position d'hors-jeu qui joue le ballon. Donc c'est pénalité. Et Mâcon qui va pouvoir remettre la pression sur le Rock. Avec une touche trouvée. Pratiquement à la ligne des 10 mètres du côté du Rock. Et une remise en jeu pour Masuradze. Ouais, Masuradze, ouais. Très difficile à prononcer. Et le ballon qui est gagné par le Rock. Bardos. Il s'est fait chipper le ballon et de nouveau une contre-attaque pour Mâcon. Et on libère. Et ça part immédiatement. Et encore. Ben voilà. Et un essai supplémentaire là. Ouais, voilà. Superbe. Non, la défense est bienvenue. Et essai. Oui, malgré fait. Le retour de Tulé Buka. Avec une récupération. De Mâcon et derrière Caché qui vient s'intercaler sur la contre-attaque et qui marque encore un essai supplémentaire. Mâcon 33, le Rock 6. Ben voilà, Mâcon a fait le jeu. Hein. Mâcon a flairé les bons coups, hein, comme on le dit, Gilbert. A laissé venir et derrière. Procède en contre et ça marche 90. Enfin, au départ, il y a un très bon crochet intérieur. J'ai pas vu le numéro du joueur, j'espère que sur les images de Mistral TV on pourra donner son nom, mais crochet intérieur, casse le premier plaquage et derrière ben, la continuité, le soutien. Allez, et Caché qui va tenter de transformer l'essai qu'il vient de marquer. C'est pas évident, quoique bon moi je pense qu'il n'est pas trop devant, donc ça devrait pas être non plus trop compliqué, même si c'est en coin. Il en a réalisé d'autres. Hein. Un coup de pied. Ouais, superbe. Allez, ça passe. Deux points supplémentaires. 35. Plein centre en plus. Ah, quand on a la confiance, hein, Gilbert. Hein. Tout réussi.
Et Mâcon est vraiment l'équipe en confiance dans ce match et tout leur réussi, il n'y a rien à dire. Là pour le coup. Voilà le Rock dans le dur. Fédéral 2 s'approche pour cette équipe du Rock, Gilbert, même si mathématiquement rien n'est fait, mais bon. Mais... Je vois pas. Au vu du calendrier qui reste. Ouais, tu l'as dit, tout à l'heure, tout à fait. On va prendre les grosses cylindrées du championnat de la Lune. Avec Obena, réception d'Obena. Ayarzia. Canberra Béro, Bar. Avec le numéro 20, Baruteux. Bar maintenant, qui attaque le rideau défensif. Il passe par le sol, Canberra Béro, ça sort rapidement. Tia, là-bas, petit côté. On va renverser maintenant. Non, très mal, une mauvaise passe, très mal mais donné, bien récupéré. Beau contrôle quand même du pied. Canberra Béro, Bar, Baruteux. Pas Baruteux, Fourquier. Okay, ouais. On a le soleil dans les yeux, Roger, c'est pour ça, c'était 21-21. J'ai pas vu d'ici. Ouais, c'est Fourquier, ouais, je te confirme. Et maintenant, tu les Bucas. On continue. On multiplie les temps de jeu. On demande aux avants de se replacer là, Canberra Béro, et ça repart au ras. Ouais, on n'y arrive pas. Hein. C'est compliqué, on n'arrive pas à trouver le petit plus qui. Malheureux maintenant. Mais deux double plaquage qui peut faire une passe à Bardos. Non, on recule. Tout de suite repoussé. Oui, c'est très difficile. Canberra Béro, Bar. Attends, c'est Baruteux, mais pris à deux. Bar qui renverse. Qui donne à Pierson. Canberra Béro, Ayarzia qui tient debout, qui a relâché le ballon. Canberra Béro, comme un footballeur et qui marque un essai. Ouais, essai. Essai de Mathieu Canberra Béro. Bravo Mathieu. Merci pour votre Mathieu Canberra Béro. Comme un footballeur. Ouais. Après ce ballon tombé, il a réussi à pousser son ballon tout doucement. À dribbler un petit peu ses adversaires. Et la transformation est réussie. Alors, tu vois, on se reconcentre sur la côté de Mâcon là pour se dire bon allez, attention. Les deux cartons jaunes qui reviennent là. Premier avertissement. Jean-Julien Michel pour le Rock et le capitaine Campeggia. Le sort le Rock 11, 13. 13. Et la SM Mâcon, pas l'association sportive montferrandaise, mais Mâcon 35. L'AS Mâcon, ouais. Qui a toujours le bonus offensif en poche, puisqu'il y a 3 essais d'écart entre les deux équipes. Et coup de pied renvoi qui va être donné, un long coup de pied très haut dans le ciel valentinois avec Michel. Bien pris à deux mains. On joue la 25e minute. Canberra Béro par-dessus. Avec Ayarzia qui va être au ballon. Mais. Allez, ça sort pour Mâcon. Mâcon. Allez, nouvelle attaque là. Avec Saïd Omar qui arrive super, à tracer. Super cuillère là. Il a été. Depuis les Bucas. Et ballon récupéré de nouveau en avant. Voilà. Avant d'abord de première faute Mâconnaise, derrière en avant. Et c'est affolant la manière dont on rentre comme dans du beurre. En fait, les intervalles sont créés systématiquement à chaque attaque. Je trouve. Enfin, je sais pas. J'ai du mal à comprendre la question de la défense. Mais les joueurs, il faut qu'ils se replacent. Il y a un replacement rapide à effectuer lorsque les joueurs. Sans au sol, bon, après c'est ce qu'on disait, il fait très chaud aujourd'hui, mais il fait très chaud pour les deux équipes. Est-ce que les joueurs ne sont pas, entre guillemets, cramés, ont du mal à se replacer et lorsque Mâcon a le ballon, arrive à multiplier les temps de jeu et derrière, créer l'intervalle. Voyou Pierre.
Ils ont une troisième ligne omniprésente aujourd'hui du côté de Mâcon. Enfin, gros travail de sap au niveau des plaquages et de la présence en attaque même. Et c'est une troisième ligne qui arrive à faire des passes après contact. À l'introduction, Mathieu Cambera-Béro. Tia, Cambera-Béro, Barre. Thierry Buca. Et de suite, Thierry Buca qui a réussi à passer. Il faut libérer vite maintenant. Il faut que ça sorte très vite. Le décalage est fait là-bas. Et on revient dedans. Continue d'avancer, mais là il faut que ça sorte. Voilà qui est fait. Passe après contact, magnifique. Voilà, il est tout seul là. Il n'a pas l'appui. Allez, touche. Voilà une touche. Et ça va être une remise en jeu. J'attends le juge de touche pour Mâcon. À 5-6 mètres de la ligne de but de Mâcon. Mais le lancer sera noir. Roger. Un joueur du Roc, je crois, qui est resté au sol. Quel est le joueur qui est resté au sol, Roger? Oui, je vois, j'ai pas non plus vu l'action. Mais c'est juste devant une caméra de Mistral. Donc vous l'aurez évidemment vu, hein, vous l'aurez découvert. Et c'est le numéro 3, Croza, qui revient en jeu. Croza, à la place de Mathieu Guagu. Ah, Mathieu Guagu, qui a fait un bon petit match. Qui a tenu sa place en mêlée. Cyrniak qui vient de rentrer là. Et la sortie de ce joueur. Ah, le ballon contré par le Roc, gagné sur le lancer de Mâcon et Ayarzia qui essaye d'avancer avec ce ballon. Cambera-Béro, Barre, Tulebuka. On va pas se laisser faire du côté de Mâcon. Ah, la défense est bien en place, hein, comme je disais. Ouais, et puis on a le bonus offensif, comme tu le disais également, Gilbert, et on n'a pas forcément envie que. Ça passera par. Voilà. Cambera-Béro qui fait une fin de passe de nouveau. Magnifique. Encore un magnifique coup d'œil de Cambera-Béro là sur cette phase de plaquage. Oui, c'est faufilé dans un trou de souris. Et il a pu servir juste avant d'être mis au sol. Et un essai de Pierson. Voilà, et la transformation réussie. Et 35-18 pour Mâcon. Transformation de Julien Lafourpette. 35-18. Voilà, petit à petit, le Roc refait un petit. Allez, petit peu il reste 10 minutes. Faut y croire, hein, bien sûr. Il reste 10 minutes. Pour revenir dans cette rencontre. Est-ce que le scénario pourrait être celui que le Roc avait vécu à Mâcon où ils avaient dominé toute la rencontre et derrière ils avaient pris ces deux essais en fin de match? Pourquoi pas? On va y croire jusqu'au bout, mon cher Roger. Pour ces joueurs, pour ce club, pour cette ville. Oui, tout à fait. Pour ces villes, Valence et La Voulte. Oui, c'est ça. Dromard des choix. Michel, très bonne prise. Ah bah voilà, ça c'est du jeu qu'on n'avait pas vu en première mi-temps. On sécurise le ballon. Oui, c'est ça. On retrouve les fondamentaux là, qu'on n'avait pas forcément. Cambera-Béro juste par-dessus. Encore Yarzia au point de chute. Récupéré. Je crois que c'est Barre. Ouais, Barre qui sonne la charge. Cambera-Béro. Manoa. Grosse percussion. Ouais, Cambera-Béro. Qui vient faire du ménage là. Barre. Allez, avec le numéro 20, Barruteux. La Fontaine maintenant. Attention. Il faut passer par le sol maintenant et libérer le ballon. Allez, ça libère, Gilbert. Cambera-Béro. Tia. Barruteux de nouveau. Qui prend l'intervalle. Magnifique. Il n'y a pas de soutien, aïe. Ah ouais, mais ça, c'est un ballon perdu. Il manquait du soutien, le ballon est récupéré par Mâcon.
Et on va se dégager là, Macon. Allez, un contre, pourquoi pas. Non. Et une petite, toute petite touche trouvée sous la pression là de Macon. Eh ben, on va y croire, Roger. Ben ouais, mais tu vois, le jeu produit par le Roc là maintenant, c'était ce qu'il aurait fallu peut-être produire en début de première mi-temps ou en fin de première mi-temps. Pour essayer de tuer le match, effectivement. C'est ça. Là, c'est un petit peu tard, malheureusement, Gilbert. Il reste 9 minutes dans la partie. Ça fait un réveil tardif. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais on va y croire, Roger. Moi, j'y crois. Bien sûr. Bah, déjà, la production du jeu n'est pas du tout la même. Donc, c'est déjà un petit peu plus plaisant à regarder. Du coup, avec des phases, phases balle, de groupe bien là. De main, tia-tia. Et tia-tia qui a tenté le raffut mais qui n'a pas fonctionné. Avec un ballon qui va sortir maintenant. Un peu cafouillé, mais toujours le Roc en possession du ballon. Avec le numéro 1 Fourquier, 21 pardon Fourquier. Allez. Et le ballon est gardé au sol. Pénalité contre le Roc. Le ballon était conservé. Et c'est Macon qui va pouvoir se dégager et qui, je rappelle, mène toujours 35 à 18. Qui va trouver vraisemblablement une touche. Ben, toujours dans le camp de Macon, une petite touche trouvée. Mais le lancer sera pour Messieurs Radze pour Macon. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Allez messieurs, tout à l'heure vous avez gagné le ballon sur le lancer adverse. Il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas, Roger. Oui, tout à fait, Thierry. Gilbert, après Didier, Gilbert, Thierry. Appelez-moi Maurice. Allez, Mathieu Radze. Un ballon pris à deux mains par Macon. Et le Mol qui s'organise et qui se met en marche. Il faut essayer, ça déroule là. Allez, un ballon qui va sortir pour Macon Campedia. Maintenant. Voilà, ça sort. Allez, attention de ne pas se mettre à la faute là du côté des joueurs. Et voilà, si c'est une faute, je l'avais annoncé. Voilà. Joueur qui est rentré sur le côté, pour le déblayage. On va tenter la pénalité peut-être là pour les joueurs de Macon. Ouais, elle est loin, je pense qu'ils vont taper en touche, Angers. Ouais, mais oui, c'est raison. Elle est à 50 mètres, ils sont devant au score, donc c'est du temps perdu lorsque le ballon va dans les tribunes. Hein. Donc c'est le chronomètre qui tourne en leur faveur. Tu vois, c'est stratégique. Voilà un lancer qui va être effectué par Mazur Radze pour Macon. Ils vont. Voilà, une belle prise à deux mains. Le Mol de suite s'organise. Avec de nouveau Van Vick qui avance. Campedia, maintenant c'est numéro 4 du four. Campedia maintenant. Belle reprise intérieure. Voilà, elle est bonne. Et maintenant il va falloir accélérer. Mais non, on a le TGV. Maconé qui est toujours présent. Cerniak qui a fait un bon retour. Voilà, et le ballon est pour le Roc sur cette mêlée, puisque c'est eux qui ont poussé, qui ont avancé sur cette mêlée spontanée. Le surnom TGV, je l'avais entendu dans les années 80 avec un joueur appelé Steve. Je ne sais pas si tu te souviens de cet arrière qui traversait tout le terrain. C'était un 3 carrés, mon ami. Ah, c'est 3 carrés même, et qui allait aplatir assez Patrick Estève, je crois, il s'appelait. T'as de bons souvenirs, mon cher Roger. Et oui. Pour un homme de ton âge, je suis étonné. Et oui. Et l'introduction qui va être pour Mathieu Cambera-Béro, qui a encore fait un match extraordinaire derrière cette mêlée. C'est l'homme à tout faire du Roc. Voilà, introduction, ça tombe, mais ça va sortir tout de suite pour Tia-Tia qui est pris. Mais le ballon disponible, je crois, pour le Roc. Ouais, je pense qu'on l'a récupéré là, voilà qui est fait. Avec Manois,
qui va essayer de démarrer au ras. Ouais, mais qui est bien, bien cerné, bien bloqué. Ayarzia qui essaie de passer au ras, mais de suite pris par Van Wyk. Renvoyé dans son camp. Tulebuka maintenant. Bardos maintenant, je crois. Ça continue d'avancer au ras tout doucement. Et on progresse du côté du Roc. Allez, avec un avantage et une pénalité. Une pénalité. Placard qui s'est pas enlevé. On la joue rapidement là, avec Barre là qui vient à nouveau. Oh là là, tenter un raffut de raffut. Et on continue d'avancer là maintenant avec Carmona. Oui. Oh, ça c'est bon ça. Oh, bah c'est dommage, si on ouvrait sur le côté avec gauche, ça aurait pu être dangereux. Plein fer. Ayarzia maintenant sur ce côté. Ballon disponible. Tia. Peut-être le décalage là-bas, la fin de passe. Ouais, on c'est revient bien. Dedans. C'est bien, c'est bien. Il y a essai. Voilà. Allez, à 3 minutes de la fin. Allez, 3 minutes pour y croire. 3 minutes pour y croire. C'est dommage pour Macon qui vient de perdre son bonus offensif là maintenant. Ah, ils l'ont déjà perdu il y a 5 minutes ouais, hein, déjà sur l'essai précédent. Les deux essais. Mais c'est dommage. Ce que je disais, c'est que c'est dommage pour eux parce que bah, ils avaient quand même cet avantage. Mais allez, c'est tout aussi bien. C'est plus plaisant de voir le réveil des rouges et bleus plutôt mais un réveil tardif, Roger. Et oui, on l'a. Parce que là, il reste que. On le soulignait, hein, super, on le soulignait, bien sûr. Et il faut essayer d'au moins d'attraper le bonus défensif. Mon cher Roger. Il faut au moins essayer de l'accrocher. Il faut scorer encore au moins une fois. Pour revenir à moins de 7 points. Donc il faut impérativement au moins un essai transformé. Un essai suffira même. En 2 minutes, hein, ouais. Non, non, un essai suffit pas puisque 35-23. Il faut qu'il soit transformé l'essai. Allez, il faut retourner à la ligne pour essayer d'accrocher ce bonus défensif. Voilà, ballon directement en touche et on revient. Gagner le ballon. Attaquer, marquer sous les poteaux. Ils prennent la mêlée. Donc c'est une très très bonne mêlée au centre du terrain puisque ça ouvre les deux options de jeu, droite et gauche. Et il va manquer un petit quelque chose je pense. Bon, on rentre à la 39e minute. Ouais, on rentre. Il va falloir conserver et continuer à jouer. Mais est-ce qu'ils en sont capables ? Cambera-Bero qui va introduire pour le Roc. De l'application sur cette mêlée. Parce que je pense que ça va être la dernière cartouche pour ah bah on a le récupéré. Ballon qui est chippé. Dans une position d'enjeu. Là, il faut jouer à la main. Ne vous posez pas de questions, il faut jouer à la main. Mais tu parles. Non, mais c'est une pénalité pour. Ah, pour talonnage à la main. Pardon, je croyais que c'était une pénalité, j'avais pas vu. Non, non. Ça y est, c'est fait. C'est terminé. Pour les espoirs du Roc, puisqu'on est à la 40e. Monsieur l'arbitre annonce 3 minutes d'arrêt de jeu. Trois petites minutes pour gagner ce ballon sur ce lancer, Roger. Et pour attaquer de son camp. Et on voit l'équipe de Macon qui arrive tout doucement faire tourner le chronomètre. C'est de bonne guerre. Ouais, effectivement. Allez, les arrêts de jeu. Il reste peut-être une ou deux minutes suite à la blessure de Moi de l'habit tout à l'heure. Donc il y a une belle prise à deux mains, le mall qui va s'organiser. Il va y avoir de la conservation du côté de Macon. Ah bah, ça continue de progresser. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Et on y est. On y est. On est à 1 mètre de la ligne. Ouais. Ballon cafouillé, mais toujours en possession pour Macon. Mal transmis, hein, ce ballon. Y en a voilà, un ballon peut-être récupéré par le Roc.
C'est le Rock qui a récupéré ce ballon, qui progresse. Il en avance. On avance. C'est presque dommage. Le ballon n'est pas sorti, c'est un maul. Donc le Rock perd le ballon. C'est ce ballon porté. Et encore une mêlée avec introduction Macon qui va prendre tout son temps pour se mettre en place, qui va faire entrer le soigneur bien entendu. Ça se branche un petit peu là. Et ça continue à se brancher. Allez messieurs, la saison, il reste encore plusieurs matchs. La saison n'est pas perdue. Mêlée, introduction Macon. Voilà, et on fait tourner ce chronomètre. Et je rappelle le score, on est dans les arrêts de jeu, 35 pour le Macon, 23 pour le Rock. Avalanche d'essai, en tous les cas, on retiendra ça durant ce match. Ça fait... Monsieur l'arbitre qui se plaît là sur ce pelouse. Bah, il va faire jouer la mêlée puisqu'il l'a sifflé avant son... Donc automatiquement, il va faire jouer cette mêlée. Avec introduction pour Macon, qui devrait, je pense, taper loin devant. Parce que la victoire est acquise. Pour essayer de conserver avec ses avants. Ah, ça tombe. Allez, hop. Voilà, monsieur l'arbitre veut la faire jouer, la mêlée. Il va remettre un peu de l'ordre. Allez, une nouvelle mêlée là qui va se mettre en place. Voilà qui fait avec une introduction maconaise maintenant. On va conserver le ballon. Là, il y a un avantage en cours. Allez, on va tenter de, pourquoi pas, marquer ce troisième essai. Enfin, ce quatrième essai. Oula, attention le plaquage. Aïe. Attention le plaquage. Un carton jaune. Normal. Allez, carton jaune. Voilà, et Macon qui va taper, je pense, en touche. C'est fini. C'est un carton jaune. Barre. Voilà, et c'est fini. Donc quoi dire, mon cher Roger, bah, encore une défaite pour voilà, le Rock. Une défaite. Aujourd'hui, il va falloir préparer la saison prochaine en Fédéral 2. On est un peu habitué maintenant à ces défaites, comme tu le dis, Gilbert. Même si mathématiquement tout n'est pas perdu, mais comme tu le disais, les grosses équipes vont venir à Pompidou maintenant. Hein, j'ai pensé. Et on va se déplacer chez les grosses écuries. Et on va se déplacer également. Ce qu'il va falloir déjà commencer par le week-end prochain à la Seine. C'est ça. Derrière, il y aura la réception de Bonnat. Et l'USRP aussi. Hein, la réception, tout le staff et tout l'encadrement va devoir préparer sérieusement la saison prochaine. La saison prochaine, vraisemblablement à l'étage inférieur. Pour essayer de reconstruire quelque chose de solide et de remonter très très rapidement pour ne pas s'éterniser en Fédéral 2. Mais on le savait depuis le début de la saison que ça allait être très très compliqué pour le Rock après les 4 premières journées. Et aujourd'hui, ben voilà, on a réellement mis un premier pied en Fédéral 2 et on a commencé à mettre le deuxième, mon cher Roger. Donc
en espérant que merci, je me trompe et que le Roc puisse rebondir d'ici la fin de saison. En tous les cas, il faut féliciter aussi hein, les Mâconnais qui ont, eh bien, qui sont venus faire un résultat ici. C'était presque inespéré au vu de la progression, la dernière progression du Roc. Mais finalement, ils ont réussi leur pari et il faut vraiment les féliciter parce que Mâcon joue quand même eh bien, crânement sa chance. Et c'est de bon augure pour eux pour la suite du championnat, mon cher Gilbert. Allez, on va se quitter là, on va se retrouver prochainement pour du basket. N'oubliez pas d'aller voir un petit peu ce qui s'est passé du côté de Saint-Vallier, des Deux-Rives hier soir. Nous étions à cette rencontre contre Blois, entre Saint-Vallier et Blois, avec une défaite malheureusement pour les Drômois, mais en tous les cas, un très très gros match, une très grande première période. Allez, on se retrouve à très bientôt avec Gilbert pour du rugby, et on vous souhaite de passer eh bien, une bonne semaine. Merci à tous et à très bientôt sur Mistral TV. Salut, au revoir. C'est bien les gars. Mick, toujours pareil, dans le cours se maintient cet état d'esprit. C'est comme ça. C'est ça. Choper, comme c'est ça. C'est ça, avec des belles séquences offensives et défensives. C'est bien les gars. Allez, en place. Allez, en place. Bonsoir, bonsoir. Un petit mot pour Mâcon aujourd'hui avec cette victoire contre le Roc. Ben pour nous, c'était comme pour eux d'ailleurs, c'était un match important hein, dans la course au maintien. Donc aujourd'hui, on est satisfait d'avoir gagné et satisfait que le Roc n'ait pas pris le bonus défensif. Donc voilà, ça nous permet de prendre un petit joker, sachant que la première étant a été totalement en notre faveur, la deuxième pour le Roc. Alors quelque part, j'ai aussi un petit brin de tristesse parce que le Roc, c'est mon club. Et voilà, j'espère tout simplement qu'ils vont batailler pour s'en sortir. Voilà. Vous les avez gagnés sur la rapidité de vos joueurs ? Oui, je pense que sur la première mi-temps notamment, on a été bien plus rapide et bien plus vite qu'eux. On a pu bénéficier de conditions climatiques sympas. Mais bon, voilà, je salue le Roc et j'espère sincèrement qu'ils vont aller au bout de leur objectif. Ben, je vous remercie. Merci. Alors, que pouvez-vous dire, Jérôme, sur ce match d'aujourd'hui à Pompidou, à Valence ? Nous, c'est notre première victoire extérieure, donc on est content. On a un bon état d'esprit, on a fait un bon match, une bonne première mi-temps et on est content qu'on ramène la victoire. Bon, dommage qu'on n'ait pas mis le bonus offensif, mais on a les 4 points, c'est essentiel quoi. Eh ben super, je vous remercie. Merci de rien. Bonjour Mathieu, donc une défaite à Pompidou aujourd'hui contre Mâcon, quel état d'esprit ? Bah, très, très déçu, hein, forcément, on avait coché ce match-là depuis les deux victoires qu'on a eues depuis début janvier, donc on espérait gagner aujourd'hui, ça nous aurait permis de sortir de la zone rouge et de leur passer devant. Là, ils viennent faire un gros coup, ils ont super bien joué le coup à l'extérieur, hein, une grosse défense. Ils ont joué sur nos erreurs et on en a fait des erreurs. Donc voilà, après, on n'a pas fait un mauvais match en soi, c'est juste que toutes les erreurs qu'on a fait, ben, elles sont tombées au mauvais moment. Ils ont fait un match à 100%. Dès qu'ils ont récupéré nos ballons perdus, ils ont marqué. Donc voilà, ça coûte cher à la fin, ça fait beau, ça fait lourd. Et même si les 30 dernières minutes, on a un gros sursaut d'orgueil où on fait une belle remontée, ça ne suffit pas parce que y avait déjà trop d'écart. Cette défaite, elle signifie quoi ? Elle signifie que ça va être très 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 compliqué pour sauver le club en Fédéral 1 cette année. Après voilà, nous, là comme j'ai dit aux joueurs à la fin, on n'a pas le droit d'abandonner quoi. C'est pas parce qu'il reste encore des matchs, il reste encore 6 matchs, si je ne me trompe pas. Et du coup voilà, il y a encore des points à prendre. On est une équipe qui est capable de perdre contre Mâcon chez soi, mais on est capable d'aller gagner n'importe où aussi. On l'a montré quand on a fait un bon match à Romans, quand on était allé jouer à Vienne. Donc voilà, on est capable de prendre des points où personne ne nous attend, donc il faut qu'on reste soudés surtout parce que ça va être compliqué pour nous dans les semaines à venir, on le sait, donc voilà, il faut qu'on reste solidaires et en espérant que ça va tourner et qu'on réussisse à redresser la barre. Ben merci beaucoup. Merci à vous. Ben, défaite très douloureuse, voilà, on pensait faire beaucoup mieux que ça, alors on savait que c'était une grosse équipe qui venait aussi pour les mêmes raisons que nous. Se maintenir et après voilà, nous on s'est un peu trompé en première mi-temps, on a été approximatif encore une fois sur la conquête mais aussi sur les transmissions alors que eux se sont livrés pleinement dans la bataille et voilà quoi, et je pense que c'est ce qu'on a fait en seconde mi-temps mais c'était trop tard. Donc cette défaite contre Mâcon aujourd'hui, ça signifie quoi pour votre position aujourd'hui même? Ben, on est toujours avant-dernier, après c'est sûr que là aujourd'hui on est à 7 points du premier non-relégable, donc c'est vrai que ça va être de plus en plus compliqué. Mathématiquement il y a encore un petit espoir, après on dépend forcément des résultats des autres.
Donc on va continuer à travailler, on va s'accrocher à ça, à recoller le plus vite possible au score. Et après on fera les comptes à la fin de la saison. Vous avez eu des blessés sur ce match aujourd'hui ? Oui, il y a un pilier droit, Paul Oliver, qui s'est fait mal à un genou, et il y a Mouad Labi qui prend une béquille sur le genou aussi. Après, on avait quand même un petit bobo aussi sur Nicolas Onutu, mais on l'a sorti pour le préserver. Mais bon, là, je pense qu'après aujourd'hui, des matchs comme ça, il y a souvent des blessures, mais on va dire mentales et physiques, et les petits bobos font encore plus mal quand on perd. D'accord, donc là vous allez vous préparer pour les prochains matchs et essayer de faire mieux. Ben c'est ça, aujourd'hui on a que ça en objectif, hein, en ligne de mire, c'est de se préparer du mieux qu'on peut pour aborder les matchs à venir et de ramener forcément à chaque fois le maximum de points, dès qu'on peut ramener des points, que ce soit une victoire, un match nul, un point de bonus défensif, voilà, on est obligé de tout faire. Hein. Ben, je vous remercie. Bonsoir Mouad, donc une petite blessure sur ce match contre Mâcon. Ouais, je me suis blessé jeudi à l'entraînement, puis j'ai commencé le match un peu sur une jambe, et puis ça m'a tiré en milieu de deuxième mi-temps, et puis j'ai pas pu continuer, j'ai dû les laisser à mon grand regret, parce que voilà, j'aurais aimé terminer ce match et aider les copains, et j'étais obligé de sortir, et puis voilà. Cette défaite, tu la prends comment ? Mal, elle nous fait mal parce qu'on a bossé dur ces deux semaines qu'on avait. Il nous l'a fallu absolument pour se maintenir, mais voilà, nous on veut continuer à y croire, même si c'est dur, parce que voilà, on a eu l'impression de tout donner, mais il y a un truc qui bloquait. On est reparti dans nos travers de début de saison, surtout qu'à la maison, on doit prendre le jeu à notre compte et on doit les mettre à mal comme on a fait ces deux derniers matchs. Et là, on n'a pas réussi. Et puis, ça s'est retourné contre nous. On est tombé face à une très bonne équipe de Mâcon. Après, des plaquages ratés, manque d'implication. Et puis, voilà, on se retrouve à 24-3 à la mi-temps. Donc, c'est dur de revenir sur le match, quoi. La deuxième mi-temps, elle a été beaucoup plus maîtrisée par le Roc. Ça, c'était pas trop mal. Ouais, on prend deux essais à la contre. Et puis ce qui nous remettent au fond du saut, parce que je pense que si on prend pas ces deux essais, si on marque avant eux, il y aura peut-être une lueur d'espoir. Et voilà, c'est des fautes individuelles qui font qu'on se mette au fond du saut. Et puis voilà, mais on va rien lâcher. Moi, je compte sur les mecs qui sont parlés à la fin du match pour se dire que voilà, maintenant on est obligé à faire un exploit à l'extérieur et tout gagner à la maison, sachant qu'on a Romain et Aubenas. On va tout faire pour, parce que moi perso, ça fait 4 ans que je suis ici et le club il me tient à cœur. J'ai pas envie de le laisser redescendre. Merci Mouad, bonne continuation. Merci.